Sex Monkey Divided avec putain de la latence. Nom de Dieu, ma chute de FPS. Alors, éléments à vendre, micro-pompe hydraulique. Je prends. T'as d'autres trucs à vendre comme ça? La montre, vas-y, elle vaut cher, non? Pièce détachée, on prend. Ouverture des volets. Bonjour Adam, vous avez un nouveau message. Deux. David Sarif. Lecture. Adam, c'est David. Je sais que ça fait longtemps, mais après ce qui s'est passé à Prague hier... Écoutez, j'ignore pour quelle raison vous ne m'avez pas donné de nouvelles depuis 2 ans. Mais la vie est courte. Je vais bientôt partir pour Londres, mais appelez-moi. Son numéro est sauvegardé. Oui, Adam. Allumez votre téléviseur. Alors attends, je fouille d'abord et on voit après. Analgésique, je prends. Je prends. Voilà, on est passé dans la salle de bain. Livre numérique. Ouhou. Bon, attends. Je vais descendre, voilà, lentement. Alors là, c'est direction ma chaîne YouTube. Et de la lecture. Voilà. Grâce au système de je mets sur pause. Alors, livre numérique x2. Ah non, c'est le même. On s'en fout. Ouais, parce que ça fait beaucoup en texte. Non, un support papier, j'en reviens pas. Ils ont encore ça. On verra après la télécommande. Je finis. Livre numérique. Papa, 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 papa. Voilà, on n'a pas le temps. Ordinateur. Adam Jensen, courrier 0, Smart Home. Bienvenue, propriétaire. Depuis le menu, choisissez le type de paramètre à modifier. Comme vous voudrez. Ouverture des panneaux. Je vous protégerai. Ah bah non. Comme vous voudrez. Mais souvenez-vous, propriétaire, vous compromettez sérieusement la sécurité. Je t'emmerde ? Boîte de conserve. Dans quelques instants, Steve va me connecter à quelques-uns de nos attachés. Alors, Credit Chips. Ok, le mec il plante son pognon. Non. Les pièces détachées. Ouais, ok, c'est ce que t'aimes manger. Du vin, je prends. Une bière blonde, je prends. Celui-ci, on l'a déjà lu. Donc, on répond au téléphone. Enfin, voilà. Adam, merci de m'avoir rappelé. Ça arrive. J'ai appelé pour l'attentat. Tous les médias en parlent. Mes amis à vous ont été blessés. Vous me connaissez. Je reste plutôt dans mon coin. Je m'attendais à ce que vous me trouviez ici. Interpol m'a appelé quand vous avez postulé chez eux. Ils font toujours une enquête de moralité. Je vous ai chaudement commandé. Merci. Vous voulez quoi? Ce que je veux. Bon sang, Adam. Je sais bien que j'ai pas toujours été exemplaire, mais... Il s'est passé tellement de choses depuis 2 ans.
pour vous comme pour moi. Vous êtes quand même bien retombé sur vos pieds, contrairement à beaucoup d'autres. J'ai eu de la chance. En attendant que les sauveteurs me trouvent, j'ai failli mourir à Panchaya. J'ai perdu beaucoup de temps ensuite à me remettre de mes blessures. Vous êtes rentré à des mois, vous avez vu ce qui est arrivé à Sarif Industries. Ouais, j'ai vu ça, de loin. L'humanité avait peur de notre potentiel, et ils s'en sont pris à nous. Ils ont fait éruption, volé ce qu'ils pouvaient et brûlé tout le reste. Les vautours de Taïyong Medical ont englouti les dernières miettes. Parfois, un rêve doit mourir pour qu'un autre renaisse de ses cendres. Vous avez des nouvelles de Medical? Après toutes ces épreuves, je pensais qu'elle me soutiendrait. Mais vous le savez, elle a toujours voulu être au plus haut niveau. Elle ne se voyait pas d'avenir à Détroit, alors elle est entrée chez Versalife. Elle est à Hong Kong? San Francisco. Ils ont un centre de recherche offshore là-bas, Rocaseca Beach. Vous avez dû en entendre parler. En Californie. Je me demande si elle a prévenu sa mère. Vous voulez un bon conseil? Oubliez-la. Parce que je suis prêt à parier qu'elle vous a rayé de sa vie. Vous avez des nouvelles de Pritchard? Frank! De nous tous, je trouve que c'est celui qui a le moins changé. Il vous dirait sûrement que c'est parce qu'il est déjà parfait. Très certainement. Mais quand le monde se transforme comme le nôtre l'a fait, il faut s'adapter ou on reste à la traîne. Frank est à son compte, toujours dans la sécurité informatique ici, à Détroit. Je crois qu'il n'en partira jamais. Ok, et pourquoi tu m'as appelé? Votre message parle d'un voyage à Londres, en vacances, ou bien c'est lié à votre nouveau rêve? J'ai rendez-vous avec le groupe Santo, Nathaniel Brown et ses investisseurs. Santo? Ils ont construit Utulek, le ghetto des augmentés, ici à Prague. Pourquoi vous devez les voir? Brown a de grands projets. Il veut proposer de vraies solutions, des idées tournées vers l'avenir. Vous avez entendu parler du projet Refuge? J'ai entendu parler de Rabia, la ville forteresse que sa société construit dans le désert pour les augmenter. Rabia n'est qu'une étape. Nous parlons d'archéologie autosuffisante, à haut rendement énergétique, qu'on pourra reproduire partout. Des villes bâties par les augmentés, pour les augmenter. Pour perpétuer le rêve d'une évolution contrôlée par l'homme? Je sais que ça n'en a pas l'air pour l'instant, Adam. Mais un jour, les gens oublieront l'incident. Et ce jour-là, nous serons prêts. Je suis content de vous voir, Adam. J'ai toujours cherché à vous protéger, vous savez, avec l'attentat d'hier. C'est pas pour ça que vous m'appelez. Je vous écoute. Rien de grave, Adam. J'ai juste besoin d'une signature pour pouvoir terminer mon dépôt de bilan. De ma signature? Je crois que votre mort temporaire a semé la confusion chez les bureaucrates. L'appartement de Détroit a été loué à votre nom, même s'il était payé par la société. Très bien. Envoyez-moi les papiers. Merci, Adam. Je vous remercie. Au revoir, Sarif. Ok, je les reçois par mail. Non. Oui, non mais je veux sortir, s'il vous plaît. Oh, de l'argent. C'est Jensen. Jlorp. C'est bon d'avoir enfin vos nouvelles, Jensen. Vous allez bien? Désolé pour mon silence. Je passerai au bureau dès que possible, mais l'attaque a déréglé tous mes systèmes. Donc j'aille les faire vérifier. Bien sûr. On a pas mal de travail. On se voit à votre arrivée. Ouais. Alors. Coller, faut que je te voie. Jensen! On peut dire que tu tombes vraiment au bon moment. Pile poil. Un problème? Il y a des types dans ma librairie. Des truandes et des valis, et ils sont assez vénères. Alors, si tu veux éviter un bain de sang, surtout après ce qui s'est passé hier... Pas la peine d'essayer de passer par la porte d'entrée, compris.
Accès refusé. Ah, cache. Ah, je me suis fait rejeter. Bon. Ah, et là, c'est lockdown, hein. C'est pas comme dans l'autre. Oui, Christelle, une gentille fille. Je lui faisais garder mes enfants. Le pauvre. Mais tu sais, il paraît qu'il a participé. Alors, t'as quoi d'intéressant? Écoutez l'alcool. Vive des jeux à la Steel Final Fantasy. Bonjour, je ne fais que passer. Alors, vous avez quoi d'intéressant? Oh, un ordinateur. Attendez. Ah, niveau de sécurité trop élevé. Je t'emmerde. Bon, bah, je me casse. Hein. Bon, bah là, rien d'intéressant. J'ai rien à faire ici, j'ai rien à faire ici, je t'emmerde. Alors, réessayons. Anomalie détectée. Programme de suivi lancé. Accès. Ah merde. Refusé. Bon bah, c'est l'ok. C'est quoi? Hop, 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 hop. Je suis parti. Ah merde, recherche en cours. Non, ici c'est interdit aux amputés. Attends, café. Alors, regarde par ici. Allez. Genre, je suis dans la rue, je me fais emmerder, quoi. C'est bon d'avoir enfin de vos nouvelles, Jensen. Vous allez bien? Désolé pour mon silence. Bah non, je viens de me faire flinguer. C'est possible, mais l'attaque a déréglé tous mes systèmes. Donc j'aille les faire vérifier. Bien sûr. On a pas mal de travail. On se voit à votre arrivée. Ah, Coller, faut que je te voie. Jensen, on peut dire que tu tombes vraiment au bon moment. Pile poil. Un problème. Voilà. Il y a des types dans ma librairie. Des truands et des valis. Et ils sont assez vénères. Alors, si tu veux éviter un bain de sang, surtout après ce qui s'est passé hier. Pas la peine d'essayer de passer par la porte d'entrée. Tout ça, on récupère ce qu'il y a à récupérer. Ouais, ok. Ça se vend. Et donc il y a un ordinateur
est trop élevé pour que je puisse en faire quoi que ce soit. Bonjour. Nous nous souvenons, bâtisseur. Munition pour fusil à pompe, je prends. Il y a d'espoir, Joseph. N'abandonne pas. J'espère que Mère changera d'avis. Nous rejoindrons tous. Ok, bande de psychopathes. Ah, bonjour. Alors. Quitter. J'y arriverai pas. Quitter. C'est trop juste. C'est peut-être. Voilà, reste à terre. Alors, 1, 2, 3, 4, et donc 2 et 3. Hop. Ne vous en faites pas, je ne fais que passer, je ne vais pas vous tuer. Waouh ! Ok, t'es moche. Cellules, antidouleurs, tout est là. Ah oui, d'accord, c'est le vendeur. Hey, tu cherches des armes? C'est ça que tu cherches? Ça pourrait m'intéresser. Je vends des armes. Oui, j'avais compris. Achète un truc. Ok mec, t'as du pognon? L'assaut, je garde. En revanche, le fusil tranquillisant, on va le virer. Le pistolet matrieur, on va le virer. On vire. Fléchette électrochoc. On vire. Grenade fumigène. Vire. Bah voilà! Ça fait de la place. Ça c'est quoi? Du vin. On vend la bière. On vend. Hop, on se débarrasse de tous les alcools. Deux en stock pour 500. Fusil de combat.
pistolet, je viens d'en récupérer un. En revanche, je vais prendre le système de visée laser. Et la lunette x4. Cet accessoire est compatible avec la plupart des armes du marché. Ok, bah je vais pas l'acheter tout de suite. Il te fallait autre chose? Bah non. J'ai déjà tout ce qu'il faut. Achetez maintenant, vous serez tranquille. C'est ce que j'ai fait. Alors. Ah oui, non mais c'est le bordel. 4. Mission, biocellule, mine creuse, outil 1. Le pigeon est un accessoire portatif. Ah oui, d'accord, oui, c'est bon, je me souviens c'est quoi. Ok, ça sont les documents, la puce briche. Ah oui, d'accord, ça sont les récompenses et là j'en ai trouvé un. Info, on s'en fout, inventaire. Faire pivoter et si je veux l'associer je fais comment? Alors, on fait un peu de rangement. Voilà. Alors, regarde 4, hop. Voilà. Bon. En gros, ça va être mon vendeur d'armes attitré. Alors. Faut juste que je fasse pas de conneries dans le coin. De la race, surmonte la faiblesse de la chair, élève-toi, quêteur. Non. Et après. Alors, Fortnite, ils ont franchi les gens, ça fait une fois qu'on m'a dit, leur dit. Nos corps augmentés, c'est la police, le salut que les augmentés. Alors, moi je dois aller où? Parce que ils sont pas gentils, mais. Ah, je dois aller ici. Ok. Et pour aller ici. Ah! Donc faut pas que je passe par la porte de devant. Et donc la porte de derrière est par là. Mais là il y a un poste de contrôle. Ah, mais là! Ok. La droite. Hein? Ah, il y a une porte. Pardon. Je l'avais pas vu. Licence, permis, coupon, document officiel, passe temporaire, ticket de voyage et ou certificat d'authenticité. Ah, le bon vieux temps du passeport est révolu. Bye bye, le bon vieux temps. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. Niveau orange, vous êtes un warrior? C'est juste que j'ai un boulot à faire. Et les outils qui vont avec, apparemment. Allez-y.
essaie de te calmer. Tout va bien. Tout ira bien. T'inquiète pas. Tu crois pas plus que moi. Ne m'approchez pas. Tu crois pas plus que moi, ce que tu dis. Ouais, j'y vais tranquille parce que, comme j'ai dit, les 3 quarts de mes augmentations sont à chaise, donc... Qu'entends par là, manipuler ? Je sais pas exactement, mais quelqu'un l'a vu, dans les égouts. Il obéissait à une voix, une secte. Ouais, ok... Ça, ça marche. Et moi, il me faut aller... Attends, montre-moi le niveau 4, s'il te plaît. Ah, niveau 2. Ah, niveau 1. Ok, je suis déjà pas dans la merde. Je veux juste le plan au-dessus. Merde, c'était où? Légende, s'il vous plaît. Caméra, tourelle, boîtier d'alarme, quadrillage laser. Ok, donc... Ah, là, il y a des tourelles. Ok. Bon, ça doit être l'un des deux là. Alors, reprenons la carte. Par là maintenant, ça mènera nulle part, donc ça va être par là. Ne dis à personne, ok? Dis-nous qu'il n'est pas censé être là. Chut! Je vais vous croire sur parole. J'en faisais partie. De l'essaim. Derrière la porte. Je me suis demandé... Qu'est-ce qui nous tient ensemble? Où? Pourquoi? Et maintenant, ça. Exilé de l'exil. J'ai été déconnecté. Déconnecté? Déconnecté de quoi? Je comprends pas un mot de ce que vous dites. S'il y a un problème de compréhension entre mes cerveaux, ça ne peut pas toujours rater comme ça. C'est lui qui m'a fait ça. C'est ce qu'il fait. Je peux pas vous forcer. Je suis pas comme lui. Comme qui? Qui vous a forcé? Ensemble. Il succombise. À lui? Lui, l'opportuniste. Le sauveur. Le rat. Quand j'ai résisté, j'ai vu. Il a eu peur de moi. On voit bien que vous avez vécu quelque chose. Quelqu'un vous a blessé. Si vous m'aidez à comprendre, je vous aiderai à mon tour. Oui, ok, ça va aller, je le sais, j'en suis sûr. Vous allez comprendre, vous compatirez. Parce qu'en fait, c'est qu'il est comme nous, mais plus, c'est un appel à l'aide. Vous finirez par comprendre. Quel appel à l'aide? Il a trituré mon esprit, la persuasion. Ça, j'ai bien compris. Prisonnier de ce qu'il peut faire, comme le rat. Je comprends tout maintenant. Ceux qui avaient peur de ce que le monde était devenu se sont accrochés à la première option. Et maintenant, ils sont tous insignalés. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Derrière la porte, tout le monde est insignalé sur un truc, comme le rat. Exactement. Je suis ravi qu'on se comprenne, vous et moi. Ok. Surtout, n'oubliez pas, vous ne pourrez l'affronter que s'il sait que vous savez qu'il sait. Alors, bien évidemment, il vous faudra le nom. Le nom. Je ne suis pas censé le répéter, mais je dois, et vous devrez. Alors, c'est oui? Bah, si tu veux, je suis curieux, là, et perplexe. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal, et qui pourrait en faire à d'autres. Je suis prêt à vous aider. Mais j'ai besoin de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Il les approche. Et il les éloigne.
Vous devez trouver comment le codémêler de tous les autres. Pour résister à la mentalité. Il faut les retirer doucement. Comprendre ce qui les fait tous tenir ensemble. Parce que ce n'est pas sa personnalité. Quand vous comprendrez vraiment qui est Richard, vous vous rendrez compte que c'est parfaitement impossible. Richard, hein ? Très bien. Allons voir ce que je viens d'accepter. Joueur de flûte, un rat ! Biznik a besoin d'aide. L'étranger, il devrait pas être là. L'étranger, il n'est pas là. Ne le regardez pas. Il nous fera du mal. Il ne peut rien contre nous. Il saura bien se tenir. On l'obligera. Richard saura nous dire quoi faire. Il écoutera, Richard. Richard, protège-nous, Richard. 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 Approchez, que je vous voie mieux. Vous n'avez pas à avoir peur. Les pulsions les plus malsaines n'entrent pas ici. Il est vous qui comprenez. J'espère que vous comprenez la nécessité. Nous prêchons le pacifisme. Des alternatives à la terreur. Nous ne traînons pas d'animaux dans la rue. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est la nouvelle image de la liberté. L'élaboration collective de l'expérience imaginative. Une espèce d'expérience, en sorte. On est bien au-delà de ça. Nous posons des vérités. De nouveaux modèles d'appartenance et de communautés où les gens peuvent vraiment pleinement vivre. Votre propre petite utopie. Il y a un homme dehors qui m'a demandé de venir et il a parlé de vous. L'homme dehors. Je sais comment c'est dehors. Prise au piège entre l'humiliation et la terreur. Les résolutions et les codes de registre. Les rires en boîte. Les rêves scriptés. Oui, je sais que tu sais que je sais que nous savons, il n'y a pas de problème, mais... Je suis là parce que j'ai cru qu'il y avait un problème. J'avais de bonnes raisons d'y croire à ce problème. Le monde est un problème. C'est pour ça que nous sommes là, à repousser les terreurs. Ne serait-ce que dans ce petit coin recul. Puis-je vous proposer quelque chose ? Une version de vous. Une version de vous libérée de ces doutes. Non. Du vous sinistre auquel vous vous accrochez. Non. Ici, vous serez libéré des injustices et de la souffrance, de vos pulsions animales. Ici, vous serez humain. Vous avez hâte d'accéder au meilleur de vous-même. Ah l'enfoiré. Viznik m'a dit que je devais résister à vos tentatives de manipulation pour voir celui que vous êtes vraiment. Une partie de vous aborde la violence, comme tout le monde. Vous voyez, je vous connais mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Je sais que vous ne voulez blesser personne. Ha ha ha. Je ne saurais pas vraiment dire si vous faites quelque chose de mal. C'est parce que ce n'est pas le cas. À moins que sauver ces gens soit mal. Nous vivons dans un monde brutal. Tu utilises quoi comme putain de virus ? La loi pour le retour à l'humain est la quintessence même de la violation des droits de l'homme. Ces gens méritent bien mieux. Ceux qui prétendent être des sauveurs, ils... Vous êtes quelqu'un de plutôt sceptique. C'est compréhensible. Vous êtes un pragmatique, merci. Personne ne vous a déjà resté. Vous voulez que je parte, comme Viznik ? Je veux que vous compreniez. Les gens qui choisissent d'être ici
Ce sont des gens bien. Et grâce à mon aide, ils ont fait des miracles. Ils ont accédé à une meilleure version d'eux-mêmes, de la société. Promettez-moi de ne pas tout lâcher. Je crois que c'est vous qui faites du mal à ces gens. Comme vous le voyez, je ne fais de mal à personne. Vous me croyez, je le sais. Enfoiré! Non, mec! Attention, la manipulation d'un plan. Ah ouais, c'est sûr, tu fais vachement. C'est vachement bénéfique ce que tu fais. Tu ne fais aucun mal à personne. Mais bien sûr, tu les obliges juste à penser comme tu souhaites qu'ils pensent. Non, ça c'est la manipulation psychique. Ou dans le cas là, manipulation d'un plan. Foutu à cœur. C'est suffisant, c'est tout ce que je voulais entendre. Voilà, je peux même pas utiliser ma vision, tous mes implants ont été foutus en l'air. Dans leur monde, nous sommes les humiliés, les parias, les opprimés. Mais ici, vous n'avez rien à faire. Vous devez partir. Je veux que tu t'arrêtes et que tu te demandes en quoi est-ce que je profite de cette expérience. Tu sais exactement de quoi je parle. Je vois ce que tu vois quand tu fermes. Voilà qui arrive à la maison. Perdu. Ah ouais, niveau de sécurité 5, ok. Va te faire foutre. Ok, c'est la mort. Non, mais... Ok. Cette quête-là, je peux pas la faire tout de suite. Niveau 5... Ok, je me casse. Iznik a besoin d'aide. Oui, je viendrai t'aider une autre fois, j'ai autre chose à faire de ma vie. Hein ? Tu m'en voudras pas. Mais vous me faites chier ! Non, je vais pas passer par là.
Attends. Parce que par là, je vais mourir. Il y a du gaz. Range ton arme. Voilà, c'est fragile, mais je n'ai pas la force de pouvoir péter ça, donc... Ok, cette zone-là, en fait, je peux pas... Voilà. On va dû commencer par là. Ça m'aurait fait réaliser que je ne pouvais pas. Alors, là, ça crame et il faut aller là-bas. En revanche, ça me rappelle quelque chose. Ah oui. Voilà. Mais non, mais sors pas ton arme. Tu prends la bobotte, tu sors pas ton arme, tu prends la boîte. Prends la bobotte. Voilà. Et tu la lances. Ok. Tu prends la bobotte. Attends, c'est où là? Je vois plus où je suis. C'est où? Ah, c'est là-bas. Ok. Tu la lances. Voilà. Trop lourd. Que l'autre, j'ai foutu un peu en l'air. Ah putain, ça en revanche c'est faisable. Les astuces de Deus Ex, s'il te plaît. Parce qu'en fait j'aurais jamais dû balancer l'autre caisse. Après le but en fait c'est de monter sur la caisse, prendre le carton, poser, se foutre sur le carton, reprendre l'autre carton, poser, et ainsi de suite. Oui, toi j'avais compris, il faut que je me casse. Y ait pas le niveau. Moi, jeune novice qui sert à rien. Ah oui, c'est vrai que là, je n'ai pas le niveau non plus. Là, je meurs si je passe dans le gaz. Ah ah ah, il y avait une caisse là, bordel de merde. Ah. Eh ben. Tu peux monter, s'il te plaît. Voilà. T'avances, doucement, tu poses. Hop. Tu poses à côté. Tu poses. Hop. Tu prends. Tu poses. Merde. Merci. Tu passes. Voilà, merci. Vous avez coupé le disjoncteur.
Et ça a servi à quoi? Juste à désactiver le disjoncteur. Ok, merci. Voilà. Ta gueule. Donc ça ne sert pas qu'à désactiver le disjoncteur. Il y a un truc à ramasser. Il doit y avoir un code d'accès à la con. Ah. Ou juste monter par-dessus. Là, il n'y a rien. Ah bah oui, désactivé. Un connard. Pardon. Je m'emporte. Parce que j'ai désactivé le disjoncteur, donc forcément... Mais nique ta mère! Je vais te le poser. Ah non, d'accord, c'est en fait, là c'est toute la zone qui est électrifiée. Ouais. J'aurais dû faire une sauvegarde. Ça me gave. Parce que moi, faut que j'aille dans un endroit. Ça me gave. Alors. Oui, j'ai compris. Ici, je ne peux pas. Ouais, mais en gros, c'est l'intégralité des égouts que je peux pas. Foutez de moi. Non, mais il y a un moment. J'ai aucun code d'accès, j'ai pas le niveau. Là, faut que je pète le mur, mais c'est toxique. Attends. Ouais, faut... Non. Arrête les bêtises. Alors. Pas par là. Elle est où l'échelle? Ah là. Remontons en ville. Faut que je vois le plan. Extérieur. Top. Non. Voilà. Plan extérieur. Moi, dans l'idée, en fait, faut que j'arrive à sortir ici. Ah, mais là, il y a... Ah, mais le poulet, mais le con. Oui. Qui ça? Ah, pas moi. Là, il me dit qu'il y a une échelle. Ah, là. Vous êtes ben gentil, mais là... Ouais, et...
Oh, jackpot. Carte électronique. Merci d'avoir rejoint Ad Astra. Ce message est destiné à vous expliquer le fonctionnement de notre organisation. Ad Astra est un groupe de soutien communautaire dont la mission est d'aider nos concitoyens à augmenter dans la vie quotidienne. Notre action dépend uniquement du bénévolat organique, comme vous. Nos initiatives sont variées et vont de la promotion du soutien gouvernemental au simple fait d'offrir une oreille compatissante. Les augmentés sont des êtres humains, comme nous, et méritent qu'on les traite avec respect, sympathie et dignité. Venez donc assister à notre réunion hebdomadaire du mercredi, qui se tient dans notre centre communautaire, situé en face de l'immeuble Zelen, au deuxième étage. Vous y recevrez des conseils de base. Nous vous remercions encore de soutien. Ouais, ok. Il y a de l'argent. Et c'est tout? Non, mais... C'est tout? Ouais, non, mais je l'ai monté l'échelle, mais... C'est tout. Alarme, alarme. Foutez de ma gueule. Là, pas l'air d'avoir de porte. Enfin, là, je peux rentrer là, mais ça s'arrête à là. Oh, et puis merde, on va passer direct au système D. Ouais. Ok, là il n'y a rien. Vu que c'est fou. En fait, je suis à peu près sûr que si tu manges au pied de boule, on te fait. Attends. Ouais, passe au contrôle. Utiliser la biocellule. J'ai pas de biocellule. N'oublie pas ta carte de. Doc Lady, fais voir tes papiers. Sinon, tu pourras pas passer. Je sais tout ça. Ça a changé. Trop de faux papiers. Maintenant, il faut une carte de validation de permis pour les augmenter. Tu l'as, cette carte ? Oh, je suis bien pâle. Mes documents n'ont jamais posé de problème. Je vois pas pourquoi ça changerait. On est vraiment sûr ? C'est un policier. Tu vois cet uniforme ? Tu vois ce flingue ? Maintenant que vous en parlez, votre tenue est un peu curieuse. Plus de budget. Inutile de nous insulter. C'est un soutien pour la police de contrôle des papiers. Mais quand même, si tu continues par là sans permis valide, je suis légalement obligé de te buter. Pas vraiment. L'ami, je sais ce que tu penses. C'est terrible les lois contre les gens comme toi. Écoute, je peux peut-être te donner un coup. On pourrait trouver un arrangement. Oh. Quelle sorte d'arrangement? Tu m'étonnes. La chance, je connais quelqu'un. Un expert. En permification. Un pro des documents. C'est un signal d'alarme. Permis. Pour que tous les robots, les flics soient alertés et me tirent dessus. Grâce à lui, tira où tu voudras quand tu voudras. Plus de galère. Qu'est-ce que t'en dis? En supposant que je veuille passer tout de suite, sans avoir ce document dont vous parlez,
Il n'y a vraiment pas moyen. Si, avec notre plan payé passé. C'est facile, tu paies et je te laisse passer. C'est de la corruption. Mais non, l'ami. Disons, une amende forfaitaire. Écoute, je te fais même la réduction pour les bons citoyens. Pour cette fois. 700 crédits! Ce pro des documents dont vous parlez, c'est lui qui commande? Vous arrêtez les augmenter et vous leur offrez cette chance de traiter avec lui? À voir toi-même. Mon ami a des papiers pour les postes de contrôle, pour échapper à la police. Pour entrer dans des quartiers de Prague que tu connais même pas. Vas-y de la part de Graumier. Et bonsoir Ming119. Je te donne l'adresse, ok? Au passage, c'est vrai que j'avais pas remarqué. D'accord, donnez-moi son adresse. Je veux savoir qui est derrière tout ça. Rekashka. Tu verras une cour derrière l'immeuble. C'est facile à trouver. Mon ami sera là-bas. Il te donnera la carte la plus récente. Paye-le et pose pas de questions. Ok. J'ai le droit de le payer à coup de bastos ? Alors, je pense que je vais le payer en plomb parce que j'ai pas de thunes. Alors, Jensen, légende, mission secondaire. C'est là ? Non, c'est pas là. C'est en face. Tu cherches quoi, dernier ? C'est interdit pour toi, câble. On veut pas de type dans ton genre. Ok. Je me suis fait arrêter par Draomir à un poste de contrôle. Je viens de sa part. Il paraît que vous aidez les augmenter pour leur permis, en les améliorant. Alpogno. Peut-être bien. Je peux savoir pourquoi je paye exactement. Pour avoir ton nom sur la liste. Milena est en haut. Bosse sur ton beau permis tout neuf. Reviens dans une semaine. Il sera prêt. Moyennant les frais de prise en charge. Et combien les gens paient pour ça? Ah, les gens, les augmenter. T'as combien sur toi? 200 crédits. 35 000 crédits, tu fous! Tu fais même pas semblant, hein? T'arnaques les augmenter sans le moindre scrupule. Tu veux un bon permis un jour ou pas? Franchement, ils sont très réussis, tu verras. Tu peux me faire confiance. La fille est super douée. Ces documents, ils sont quoi? Volés? Fabriqués? Invisibles? Écoute, donne-moi ce que t'as, et je mettrai ton nom sur la liste. Ça marche comme ça. Milena fait un super bon boulot. Enfin, sur la liste, quoi. Franchement, elle en fait même un peu plus que ce qu'on lui demande. Je crois que j'en sais assez sur ton offre, et sur ton ami là-haut. Je vais plutôt tenter ma chance sans papier. Pour l'instant. Eh bien, comme tu veux. Mais ils finiront bien par venir frapper à ta porte un soir prochain. Les augmentés se font agresser dans la rue. Ils se planquent. Alors, au final, fallait bien passer par les égouts. On trouvera pas mieux ailleurs. Je suis top. Mais... Ouais, là je suis d'accord. Merde alors. Bon. Bah, ça dépend de ce qu'il va m'appeler pour passer par les égouts, puisque là encore... Garde avec ce déclin, je l'ai pas.
Attends, c'est où? Mais je me suis perdu, purée. Mais je suis un tocard. C'est là, voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Hein? Ça mène où ça? Ah, oui, non mais on s'en fout en fait, ça me ramène chez moi. Ah ouais, non mais c'est l'horreur. Deux fils, ouais, j'ai besoin d'un GPS. Alors, il m'indique où? Parce que s'il m'indique là, non. Mais il se fout de la gueule. Là, c'est chez le taré. Attends, attends, attends. Ouais, c'est ça. Non, 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 mais ça passera pas, là. J'ai pas le niveau, j'ai rien qu'il faut. Il faut que je passe, quoi. Pitié. Vous cherchez les meilleurs prix de toute la ville? Et je ne parle pas de hot dog, hein. Vous vendez pas que des hot dogs? Elle est où votre boutique? Parce que comme ça, je fais des économies sur les frais généraux et je répercute ça sur les prix. Belle initiative. Vous pouvez me croire. Vous avez quoi? Ben, j'ai des infos du genre que tout le monde n'a pas et j'ai des trucs que je vends sous le manteau. De la neuroposine, par exemple. Ça, c'est bien vrai. Mais si c'est ça que vous voulez, il va falloir payer en neuroposine. Ça, j'en ai pas. Désolé, c'est pas négociable. Mais revenez me voir quand vous en aurez, ok? Est-ce que je peux vous proposer autre chose? Ok, donc lui, c'est un vendeur en neuroposine. Enfin, même pas. C'est en gros, c'est moi qui dois le payer en neuroposine. Purée. Bon, bah, on va retenter avec l'autre plouc, quoi, ça me saoule. Tu cherches quoi, permis? Reviens plus tard. Je suis rentré où, là? Ok, c'est même pas la peine. Encore du courant et j'aime pas. Là pour le coup c'est le cas de le dire, je suis déjà assez branché comme ça. Neuroposine pour ma sœur et moi, s'il vous plaît. Combien de fois faut vous dire qu'on vend pas de ça ici? Allez voir ailleurs. Mon produit est pas fait pour les augmenter. Croyez-moi. Boum. Coffre fort. Il y a quoi dans le coffre? Euh,
les Dvali veulent qu'on se concentre complètement sur les néons. Ils contrôlent désormais 100% de la production et veulent qu'on contrôle 100% de la distribution. Si t'as besoin de refaire ton stock, va au Zelen, appartement 22. Le code de la porte est 0310. Ah ! Éléments à vendre, neuroposine, puce à crédit, grenade à gaz. Et après, c'est les shots. 2126. Ok, j'ai gagné du pognon. Alors, donc, faut que je retourne à Velen. Velen. Église mécanique. Dieu mécanique, donc on s'en fout. Bière, planque d'Adam, immeuble Zelen. Ok, c'est là. Demi-tour. Zelen, ici. Appartement 22, on a dit. Bah ouais, mais j'y suis déjà passé ici. Ah, donc ça c'est le taré que j'ai rencontré. Et j'ai pas le... Attends, mais juste que j'ai pas le niveau et je peux pas... Ah non, je suis obligé de pirater, saisir le mot de passe. Ah oui, d'accord, non mais là c'est un mot de passe complet. Ok, merci. Ah bah voilà, de Branac. Merci. Voilà. Alors, je crois que j'ai un, celui ou ceux qui fourguent de la cam dans notre dos. J'ai entendu des jeunes parler de l'appartement 202 au 33 rue L'Avenir. Ils parlent aussi de soirée néon. J'ai vérifié, on n'a jamais livré à cette adresse. Je sais pas d'où vient leur cam, mais pas de chez nous. Il semblerait que tes chiffres... C'est tous les deux que c'est pas ton genre, alors d'où vient ce surlin? Les Valiants ont la main mise sur la production, maintenant qu'ils ont le labo, il est... Non. Alors, appartement 202 au 33 rue de la... Ok, bonsoir DJ. Enfin, bonne soirée, bonne nuit. Ok, là, donc, faut que je passe là. Si c'est ce que je pense...
Ouais, mais moi c'est ça qui m'intéresse. Ah oui, d'accord, c'est là. Mais je n'y ai pas accès pour le moment. Mais... Donc merde. Moi je me tape des quêtes secondaires alors que... Le magasin est fermé, crétin. Réception privée. Déteste ce coin. L'air est vicié. Voilà, donc ça c'était l'échec que j'avais pris qui m'a amené entre guillemets nulle part. Est-ce que ça m'amène là-haut? Donc là c'est l'entrée du magasin. Vous êtes sûr? Par là forcément on peut pas passer. Ah oui. Alors, il y a ta carte de validation de permis. Que ce soit bien clair, je paye uniquement parce que j'ai pas envie de perdre mon temps. Oh, désolé. L'offre spéciale vient juste d'expirer. Ce sera à plein tarif maintenant. J'ai l'impression que vous profitez des augmentés et que vous jouez de leur paranoïa. Moi, ce que je vends, c'est de l'espoir. Une chance d'être libre. Évitez Golem City. Sinon, tu risques des ennuis avec la loi. C'est pas marrant pour un étranger comme toi. Est-ce qu'ils te regardent chez toi? Ou pire encore. Pourquoi j'ai plutôt l'impression que vous voulez me bourrer le crâne? Je veux rien du tout! Je veux pas te bourrer le crâne! Moi, la seule chose que je dis, c'est que t'as besoin de ces jeux. Sinon tu vivras dans la peur. La peur d'être déporté. Et puis, hé, oh, oh, tu veux prendre le risque d'attaquer les forces de police? Ici? Au beau milieu de la ville? Une fois que les augmentés ont vu votre ami, qu'est-ce qui se passe? Vous leur faites acheter des merdes en plastique dont ils n'ont pas besoin? Vous les dépouillez complètement? Les permis qu'on leur donne sont de très bonnes. Je crois pas que ça n'a pas d'importance pour eux. Tu devrais vraiment aller voir mon ami. Je veux bien payer pour passer. Mais seulement parce que j'ai pas de temps à perdre. Ravi d'avoir traité avec toi. Bonne journée. Ouais, merci de m'avoir enculé. Où est-ce qu'il a trouvé ses uniformes? Pas d'un air professionnel. Oh, cet uniforme pèse une tonne. Alors. Donc moi ça me fait passer par derrière. Attends. Oui. Non, c'est bien ce que je me disais, j'ai pas le mot de passe. Voilà.
Alors. Passer par la fenêtre là-haut. Vivement qu'on transforme ce quartier en résidence. On va y arriver, j'aimerais bien au moins terminer là-dessus. Jensen, Dieu merci. Je suis en bas, dans le cachot. Tu te souviens du titre de mon livre super secret, rassure-moi. Je me souviens que c'est rouge. Jensen, je commence à m'inquiéter. Est-ce que je vais devoir appeler tous les commissariats de la ville pour vous retrouver? Ce sera pas nécessaire, j'arrive bientôt. Bien, parce qu'on a du boulot. Ah, on a réussi. Wouhou. Jensen, la plus grande techno-merveille du monde. Désolé pour l'accueil. Ils t'en ont pas trop fait baver, j'espère. J'ai connu pire, tu sais. Qu'est-ce qu'ils te veulent? Tu leur donnes du fric pour ton assurance vie? Alors, je crois pas que ce soit une question de blé. Il y a comme un léger malentendu entre moi et leur patron, trop tard. Oh, tu sais comment c'est avec les gangsters. Suffisamment pour comprendre qu'il n'y a jamais de petits malentendus. La politique interne des dévalides. Je vais arranger ça. Je vais aller parler au Big Boss moi-même. Enfin, dès que ça se sera calmé un peu dehors. Un lendemain d'attentat, c'est... Ben, c'est flippant, quoi. Ça me surprend que les gens restent pas planqués chez eux. On n'a pas toujours le choix. Mes systèmes ont pris un seul coup. J'espérais que tu pourrais m'aider à réparer tout ça. Un sale coup, genre... Oh, merde. Pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Bon, il faut qu'on t'installe dans le fauteuil.
le fauteuil. Je sais pas si je t'ai dit, mais j'ai toujours eu envie de voir tes augmentations de plus près. De très près, même. Alors, tu vas t'installer, je vais t'endormir, et puis... Et puis, je plongerai dans le vif du sujet. Tu vois ? Et j'irai en douceur. Ouais. Ok. Brouille-toi qu'on en finisse. Relax, Jensen. Mais tout va bien se passer, hein. Tu te rendras même pas compte de ce que je fais. Tu te sentiras léger, comme si tu volais. Comme si t'étais quelqu'un d'autre. Mais Colère va te rafistoler et te prendre tout ce que t'as perdu. Et en moins de... Oh, voilà. Je dois récupérer toutes mes augmentations. Quoi ? Dieu soit. Vas-y, vous. Je l'ai pas fait exprès, hein, je te jure. Mon indicateur rétinien va vite se remettre. Tu peux bouger ? Oui. Qu'est-ce que t'as ? Je voulais juste connecter ce qui était déconnecté. Mais t'as des putains d'augmentations bizarres. Hein. Enfin, j'aurais le sûr, mon père. Ah, attends. Je vais chercher un peu d'eau. Plus fort. De l'eau. Tu t'en sors bien, je le sais. T'as juste à reprendre le compte, ok ? Tu vas. J'ai été obligé de te rebooter, pas de perdre. Comment ça, me perdre ? Le noyau a lâché. T'as failli bousiller mon fauteuil. Alors, je t'ai relancé et j'ai trouvé ces... Je préfère te montrer sur quoi je suis tombé. Affiche tes infosystèmes pour que tu vois ça par toi. Ça, c'est tes implants. Tu les reconnais tous. On est d'accord. Ouais, c'est David Sarif qui les a installés. Il a fallu 2 ans à mon corps pour s'y adapter. Ouais, bon, il n'est pas impossible que tu doives un peu recommencer à zéro. Qu'est-ce qui se passe, Colère ? Pourquoi je me sens différent ? Quelque chose essayait d'aspirer toute ton énergie. Il a fallu que je reboote ton système pour comprendre ce que c'était. Et donc, il s'avère que ta config de base est pas tout à fait... standard. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des putains d'augmentations expérimentales, Jensen, cachées à l'intérieur de ton corps. Tu veux dire que j'ai encore plus d'implants que ce qu'on m'avait dit ? Plus que ce que ton corps peut supporter. Plutôt cool, hein ? Ça reste à voir. Je vais te montrer un peu ce qui se passe quand t'actives un de ces machins. Ok. T'en fais pas, Jensen. Une à la fois, ça risque rien. Tu me l'as déjà faite. Ok, bon. Alors, perso, celui qui pourrait m'être utile, il y a celui-ci. T'as vu ça ? Ta consommation d'énergie est montée en flèche ! Ah oui ! D'où elles viennent, ces augmentations ? Ça, je peux pas te dire. Tout ce que je sais, c'est que l'explosion a dû les réveiller. Mais bon, en tout cas, si t'as envie de les utiliser, faut surtout pas te gêner, hein ! Le seul truc, c'est de faire gaffe à ce qu'elles grillent pas tout ton système. Et... je crois justement savoir comment éviter ça. Essaie de désactiver un de tes autres implants, histoire qu'on rigole un peu, tiens. Allez, Jensen, vas-y, désactive un des implants dont tu ne sers pas. Allez, Jensen, vas-y, désactive un des implants dont tu ne sers pas. Ok. Allez, Jensen, vas-y, désactive un des implants dont tu ne sers pas. Bah, ce que je fais. Allez, Jensen, vas-y, désactive un des implants dont tu ne sers pas.
Non mais là, je me dis... Alors... Allez, Jensen, vas-y. Désactive un des implants dont tu ne te sers pas. Celui-ci. Allez, Jensen, vas-y. Désactive un des implants dont tu ne te sers pas. Ah oui. Ah oui, mais c'est aucun. Ok. Coup énergétique, aucun. 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 Vas-y, désactive un implant dont tu sers. Tu vas me foutre la paix 2 minutes. Allez, Jensen, vas-y, désactive un des implants dont tu ne sers pas. Ah d'accord. Attends. Allez, Jensen, vas-y. Désactive un des implants dont tu ne sers pas. Oui, 2 minutes, je réfléchis. Allez, Jensen, vas-y. Désactive un des implants dont tu ne sers pas. Tiens, ça. T'as vu un peu ça? Ça t'a refroidi direct. Comme ça, t'as la possibilité d'équilibrer ton système. En gros, il faut juste que t'évites d'activer toutes tes augmentations d'un coup. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passerait? Tu surchaufferais et ça provoquerait pas mal de gros bugs. On parle de dégâts potentiellement permanents là. Hein. Alors bon, tu vois, je te conseille. Ok, remets-moi ça en marche, Collard. Je réactiverai ce qu'il me faut moi-même. Ok. Bon, écoute, j'espère quand même que tu te rends compte que je serai pas toujours là pour t'aider. Je peux pas te suivre partout pour réinitialiser ton système et l'empêcher de partir complètement en rire. Mais à partir de maintenant, il va falloir accepter que t'es responsable de tes choix. T'es pas censé être mon référent technique. Je suis spécialisé dans le marché noir chinois à voir, ok? Les implants que j'ai trouvés cachés dans ton corps, intégrés à ton système comme ça, bah pour moi, ils pourraient tout aussi bien venir d'une autre planète. Quelque chose me dit qu'ils sont bien d'ici. C'est juste que... ça me merde. Tu mérites des réponses, mais je serais bien incapable de t'en donner. Tout ce que je peux faire, c'est t'aider à gérer ton système mieux que personne à Prague. Je peux t'apprendre à te servir de ces nouvelles augmentations. Mais tu peux pas me dire d'où elles viennent. À ma connaissance, c'est David Sarif qui a installé toutes mes augmentations. S'il y a quelque chose dont je suis pas au courant, c'est à lui qu'il faut que je parle. Je connais bien le travail de Sarif. Mais ces nouvelles augmentations-là, elles m'ont l'air différentes. Cette coque en néodyme, par exemple. Qui irait utiliser du fluide magnétoréologique dimorphe comme ça? Sérieux, si tu parles à Sarif, faut que tu lui poses la question. C'est pas le genre de truc qu'on voit tous les jours. C'est même franchement cool, d'ailleurs. Ce réglage a pris plus longtemps que j'aurais cru. Finissons-en. Ok. Tiens, voilà des kits de praxis. Pour remonter le moral. Ça fait toujours plaisir. J'aime que mes clients soient contents. Mais... rappelle-toi bien ce que je t'ai dit sur la gestion de tes augmentations. Tu vas devoir apprendre à équilibrer ton système. Oui, pour que ça reste stable. Sauf si... sauf si quoi, Connor? Il y a peut-être un moyen d'optimiser. C'est juste que... il me faudrait un truc qui est entre les mains de l'art. Un calibreur de neuroplasticité. Si quelque chose peut me permettre d'utiliser tout ce que j'ai sans compromis, je veux savoir ce que c'est. C'est ce que je voulais entendre. J'achète tout mon matériel dans un catalogue clandestin. Tu vois le genre. Mais... ma dernière commande a été interceptée par Otard. Le même Otard dont les hommes cherchaient les livres ici tout à l'heure. Je t'oblige à rien, attention. Je veux que ça vienne de toi. Je veux que t'aies envie de devenir un dieu augmenté parmi les hommes. Si ça ressemble à un truc qui pourrait t'intéresser... alors, je peux te dire qu'Otard dirige un casino clandestin dans le quartier de Chesty. L'entrée se fait par une petite cour qui donne sur la rue d'avenue. Merci pour l'info, Caller. Et merci pour les kits. Ok, faudrait que j'aille voir ça.
Alors, reprenons. Ah oui, il m'en a filé pas mal quand même. 11 praxis. Ça, ça coûte 2 praxis, donc hop. La Smart Vision, on en a besoin. On va prendre les trucs de base. Allez, bonne nuit Serpenson 2. De toute façon, je vais pas tarder à arrêter. Ok. Hop, un petit F5. Et voilà, donc sur ce, on va se laisser. Merci. Bah, comme toujours, merci d'avoir participé, d'avoir été présent. On se retrouve demain 21h30 pour la suite de Deus Ex Mankind Divided. Je vous souhaite une bonne nuit. Bonne soirée et à la prochaine. Allez, ciao !